Jesus. Amen. Amen. Yesterday, this morning, we are going to the book of Mark, chapter 14. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 14. We are taking from verse 3, verse 9. Du verset 3 à 9. Chapter number 14. Marc, chapitre 14. Verse number 3 to verse number 9. Du verset 3 à 9. And be there. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Let Jesus take notice of your offering. Que Jésus prenne connaissance, que Jésus note ton offrande. Today is our Thanksgiving day. Aujourd'hui c'est notre jour d'action de grâce. And we are honored to have the women take this day. Que les femmes puissent prendre ce jour. And we are honored to look at the woman in the Bible. Nous sommes honorés de voir une femme dans la Bible. That would draw the attention of Jesus. By what she did as an offering to the Lord. Par son offrande à Dieu. There are two people in the Bible. Il y a deux personnes dans la Bible. That drew the attention of Jesus. Attirer l'attention de Jésus. When Jesus was physically present on earth. Où Jésus était physiquement présent sur la terre. By their way of giving. Par leur manière de donner. One we know as the widow. L'une nous la connaissons, c'était la veuve. Who gave the smallest gift in church that day. Qui a donné le plus petit don à l'église, but received the appreciation of Jesus Christ. Mais qui a reçu l'appréciation de Jésus Christ. Another one is this woman. Donc, une autre femme, c'est cette femme who poured an exceptionally costly oil on the head of Jesus. Qui a déversé un parfum exceptionnellement cher sur la tête de Jésus. And we can begin to join ourselves. Et nous pouvons nous dire, with Judas and the others, nous pouvons joindre Judas et les autres, to ask ourselves, et pour nous demander, is it worth that they should give that much to Jesus? Est-ce que ça vaut la peine de donner autant à Jésus? How much does Jesus cost to you? If they were to sell Jesus in the market, si on devait vendre Jésus au marché, how much will you give? Combien est-ce que vous donneriez? If you were to meet God the Father and say, how much I'm selling Jesus, how much will you pay for Jesus? Si vous deviez, si on vous posait la question, combien est-ce que vous donneriez pour Jésus? We see that Judas, nous voyons que Judas, according to John, the Gospel of John, selon le livre de Jean, was the person, était la personne, who said, why was this oil wasted? Pourquoi est-ce que ce parfum a été gaspillé? Is it a wastage to give something to Jesus? Est-ce que c'est le gaspillage de donner quelque chose à Jésus? Is it a wastage? Est-ce que c'est un gaspillage? Why? Pourquoi est-ce que cela a été gaspillé? I said it was Judas. La Bible dit and que Jésus, Judas did not say it because Judas, he cared for the poor. Et la Bible dit que Jésus n'a pas dit cela parce qu'il Judas did not say it. Judas n'a pas dit cela parce qu'il s'occupait trop des pauvres. It was because he was thinking about himself. C'est parce qu'il pensait à lui-même. He was thinking how if that money was much in the coffers, he could steal some and do his things. Il se disait que si cet argent était mis dans le coffre, il pourrait voler pour lui-même. No doubt, he went and sold Jesus for 30 pieces of silver. Aucun doute que plus tard il a vendu Jésus pour 3 pièces d'argent. He did not know the value of the person called Jesus. Donc, il ne connaissait pas la valeur de cette personne appelée Jésus. If he knew that this is the person who created the whole universe. Il savait que c'est cette personne qui a créé l'univers. This universe in which we live. Cet univers dans lequel nous vivons. Is just a very small portion. Donc cela, ce n'est qu'une petite portion. And la terre. La terre n'est qu'une petite portion de l'univers. Scientists have not been able to know where it starts and where it ends. Les scientifiques n'ont pas été capables de dire où commence ce monde et où se termine. There was one person who created it by delegation of the Father. Non, la Bible dit que c'est une seule personne qui l'a créé sous l'impulsion du Père. That was Jesus. Et c'était Jésus. And that was Jesus standing before him. Et c'était ce Jésus qui se tenait devant Judas. And they were looking at him as a human being. Et on le regardait comme un être humain. This man. Cet homme, religious leader, church leader, religieux, pasteur of poor people, le pasteur des hommes pauvres. They could not recognize the creator in him. Ils n'ont pas reconnu en lui le créateur. That's why they could not appreciate him. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de l'apprécier. That's why they could not put
much value on him. C'est pour ça qu'ils ne lui ont pas accordé assez de valeur. And they thought that it was a wastage. Et ils ont cru que c'était du gaspillage. How many of us come to give our offering, we think that we're wasting our money. Combien d'entre nous donnons nos dîmes et pensons que c'est du gaspillage? We think that we're wasting. Nous pensons que nous gaspillons. The spirit of Cain still influences many of us. L'esprit de Caïn nous influence encore. Cain. When the father told them to go and offer to the Lord. Lorsque le père a demandé à Caïn d'aller faire des offrandes. Caïn a cru que c'était du gaspillage. He picked some few things from the farm to go and give to God. C'est parce qu'il n'a pris que quelques éléments dans son champ pour aller donner à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a rejeté son offrande. The value on somebody. La valeur que tu accordes à quelqu'un détermine le genre de don que tu vas lui présenter. You may not offer something that's very, very costly. Tu peux ne pas donner quelque chose qui coûte. But if you really change somebody, mais si tu aimes quelqu'un and a person visits you, et si cette personne te visite, te rend visite, you would like to give that person the best that you have. Tu vas vouloir donner à cette personne le meilleur que tu as. I want us to look at this day as a special day of the visitation of the Lord. J'aimerais que nous voyons ce jour comme un jour spécial de visitation du Seigneur. Calling upon the women. Et j'appelle les femmes. Look at this day as a special day in which Jesus is visiting you. Regarde ce jour comme un jour spécial où Jésus te rend visite. You know, many of us don't know. Plusieurs personnes d'entre nous ne connaissons that pas. Wherever we gather as a church. Que quel que soit l'endroit où nous nous rassemblons comme en étant l'église, Jésus est là. Because he's the head of the church. Parce qu'il est la tête de l'église. The head of the church is not the pastor that you see sitting there. La tête de l'église n'est pas le pasteur qui s'assoit ici. And as it happened in the days of the physical. Et ça arrivé dans les jours physiques. That when he was the church, he would stand to watch at offerings of people. He would stand to watch the way people are putting their offerings. Ah, il se tenait pour regarder comment les gens donnaient leurs offrandes. He is the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Anytime you bring the offering, he's standing there to look at it. Chaque fois que tu apportes ton offrande, il se tient et il regarde. And some of those, they just met. Et certains d'entre nous maugréons. They just look at it and sigh. Donc nous regardons cela et nous maugréons. Jesus. Jésus. Need to take notice of your service. Doit être attiré. When we talk about offering, we are not talking about money only. Quand on parle de l'offrande, on ne parle pas seulement de l'argent. Money is just a common way that human beings use to value or to evaluate services. L'argent, ce n'est qu'un moyen que l'homme a l'habitude d'utiliser pour évaluer, valoriser un service. This woman did not bring money in cash. Donc cette femme n'a pas apporté de l'argent en espèces. Was an offering to Jesus. C'est une offrande à Jésus. An offering of perfume. Une offrande de parfum. Those who were money-minded were calculated in terms of money. Ceux qui avaient l'argent dans la tête calculaient en termes d'argent. She herself did not even know. Elle-même elle ne le savait pas. She did not calculate it. Elle-même elle n'a pas calculé. Maybe if she calculated, she could not have even brought it. Peut-être que si elle avait calculé, elle ne l'aura pas apporté. She just looked at it as giving Jesus the best that she had. Donc elle a juste qu'apporté le meilleur qu'elle avait. The Bible says. La Bible dit. This woman. Cette femme. When she brought this offering, elle a porté cette offrande in the house of Simon the leper. Elle a porté dans la maison de Simon le lépreux. Jesus took notice of Jésus a pris note de cela. The first thing that drew the attention of Jesus to react. La première chose qui a attiré l'attention de was Jésus. Was the criticism. Était les critiques. Of those who thought that she has exaggerated the giving. De ceux qui croyaient qu'elle avait exagéré son don. She has exaggerated. Elle avait exagéré. Give that much to Jesus. Donner ce parfum à Jésus au temps. Look at that was given to 100 poor people. Cela pouvait servir à près de 100 personnes. So that they can have food to eat. Pour qu'ils aient à manger. Jesus said. Jésus a dit. You have the poor all the time. Vous avez les pauvres avec vous tout le temps. You can give them anytime you wish. Vous pouvez vous occuper de n'importe quand. But this is a special occasion. Mais ceci c'est une occasion spéciale. The visitation of the Lord. La visitation du Seigneur. Where you should consider it as Jesus appreciation day. Donc vous allez considérer cela comme le jour d'appréciation de Jésus. Consider it as a day that you appreciate Jesus for what he is to you. Donc considère que ce jour-là c'est un jour où tu apprécies ce que Jésus est pour toi. When you give some
something that God will take notice of it positively? Est-ce que tu vas donner quelque chose que Dieu va, dont Dieu va tenir compte positivement? Or you give something that will be like a provocation to Him. Ou bien tu vas donner cela comme une sorte de provocation à Dieu. We are told that this perfume. Nous avons appris que ce parfum. Could have been sold for about 300 denarii. Pouvait être vendu à près de 300 deniers. That is the salary for 1 year for a common worker. Non, c'est le salaire d'un an d'un travailleur, d'un ouvrier. Because in those days, parce que en ces jours-là, they would pay a worker 1 denarii per day. On devait payer un ouvrier 1 denier par jour. In those days in Israel, a year was around 355 days a year. Non, en Israël, un année était comme 365 jours. 355 jours. And then we have Sabbath. They don't work on Sabbath. Il y avait les jours de Sabbat durant lesquels on ne travaillait pas. Sabbath were extracted. Donc on exclut les jours de Sabbat. So put together, this was an offering of 1 year's salary. Donc rassembler, ceci était le salaire de, d'une année. How many of you would think that to give your 1 year salary to yourself is a wastage? Combien d'entre vous pensez que un an de votre salaire est un gaspillage? If Jesus were to ask to pay for the oxygen you consume every day, how much would you pay? Si Dieu vous demandait de payer l'oxygène que vous respirez, combien est-ce que vous donneriez? Maybe he would say to the hospital to go and pay oxygen a bit to know the cost. Peut-être qu'il devait vous envoyer à l'hôpital pour que vous payiez un peu de l'oxygène pour voir combien ça coûte. To know why he has been doing for you every day. Pour voir ce qu'il fait pour vous chaque for jour. Nothing. Pour rien. And then when you come to appreciate him, you think that you are wasting. Et quand c'est le moment de l'apprécier, vous pensez que c'est du gaspillage. Or, nobody can even evaluate the cost of life. Personne ne peut évaluer la, le coût de you la vie. Take off your life completely. Si on devait prendre ta vie complètement. And then you find yourself in hell. Et tu te retrouves en enfer. And just appear there to negotiate with you for life. Et que Jésus apparaisse là-bas pour négocier avec toi concernant la vie. How much will you pay him that he can bring you back to life? Combien est-ce que tu donneras à Jésus pour qu'il te ramène à la vie? Men of us will swear, all my years I will be your slave. Il y a des gens qui disent tous les jours je serai ton esclave. Because they are pushed to the corner where there's no way out. Parce qu'ils sont poussés au pied du mur où il n'y a pas de sortie. Don't join those who criticize people who offer their all to Jesus. Donc ne joins pas ceux qui critiquent, ceux qui donnent tout pour Jésus. Why did Jesus take notice of this woman's offering? Pourquoi est-ce que Jésus a tenu compte de cette offrande? It was the best that she could offer. C'est le meilleur qu'elle pouvait offrir. When you give God the best you have. Quand tu donnes à Dieu le meilleur de toi-même, under your circumstances, le meilleur dans cette circonstance, it must draw his attention. Cela doit attirer son attention. In the eyes of men, aux yeux des hommes, it may not mean anything, ça peut ne rien dire. But because God is omniscient, parce que Dieu est omniscient, he knows the circumstances under which you are living. Il connaît les circonstances dans lesquelles tu vis. If you give him the best you can afford. Si tu donnes le meilleur que tu peux donner, he must take notice of it. Il doit tenir compte de cela. During this time of Thanksgiving, durant cette période d'action de grâce, someone can give an envelope of 5,000 francs. Quelqu'un peut donner une enveloppe de 500 francs. 5,000 francs. And Jesus will take notice. Et Jésus va prendre note de cela. Because that is the best. Parce que c'est le meilleur. Under all circumstances. C'est le meilleur de cette personne. Another may give 500,000. Une autre personne peut donner 500,000. Jesus will not take notice. Et Jésus ne va pas regarder cela. Because that is not the best the person can offer under all circumstances. Parce que ce n'est pas le meilleur que la personne peut donner. So we need to draw the attention of Jesus. Donc nous devons attirer l'attention through de Jésus. Our offering. À travers notre offrande. We are offering him material. Ce que nous offrons matériellement. Or cash. Ou bien de l'argent, ou bien le service que nous lui rendons. Let's not do it in a nonchalant manner. Donc ne le donnons pas dans une manière charnelle. Nonchalant. Let us not do it like. Ne donnons pas d'une manière nonchalante. Let's not do it as if we are just wasting our time. Ne donnons pas comme si nous perdons notre temps. Why did Jesus take notice of this woman's offering? Pourquoi Jésus a pris note de cette offrande? This offering was given. Cette offrande a été donnée totalement. Totally. Totalement. Without possibility of
drawing something back for herself. Sans possibilité de retirer quelque chose pour elle. When we go back to the history of the church, quand nous rentrons dans l'histoire de l'église, when the church was created, dans l'église was created, why was Ananias killed in the church by the Holy Spirit? Pourquoi est-ce que Ananias a été tué dans l'église par le Saint-Esprit? Because they did not give total. Parce qu'ils n'ont pas donné totalement. They pretended to give totally. Ils ont prétendu donner totalement. How did this woman give totally? Non, cette femme a donné totalement. Comment est-ce qu'elle a fait? She broke the calabash. La Bible dit qu'elle a brisé le vase. She broke it. Elle a brisé and le vase. Oh. Elle a déversé tout. So there was donc, il n'y avait pas la possibilité de garder une petite quantité pour elle-même. Elle a donné avec tout son cœur. Et Jésus a pris note de cela. Why did you not take notice of this offering? Pourquoi est-ce que cette femme a tiré l'attention because de Jésus? It was an act of worship. Parce que c'était un acte d'adoration. Many of us, we have not yet understood this. Plusieurs d'entre nous n'avons pas encore compris ce que cela. Well, look in the Bible.